Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Sniper Elite 4. Je vais monter un tout petit peu le gain du micro. Normalement, c'est pas trop mal, ça a pas l'air de saturer. Donc, on est sur Sniper Elite 4 sur la Xbox 5, pardon, sur la Xbox Series X. Et on va commencer tout de suite la campagne. On va se mettre. Non, alors visiblement, on peut avoir des gens qui peuvent. Genre, on va lire notre partie, on va mettre non, parce que là, on est sur une vidéo découverte tranquille. On va se mettre en moyen partout. Et on va y aller. C'est la première fois sur ces consoles de nouvelle génération que le 4, il y avait eu un patch. Mais j'y ai pas rejoué au 4 sur Series X. Le 4, j'y avais joué sur Xbox One. Et après, j'y avais joué sur PS4 Pro. Aussi avec un pote. Donc c'est la première fois sur ces consoles. Captain says we'll be surfacing in 5. Clear on your orders. We wait for air cover from our boys in the RAF. And once they start their raid, we use the distraction break on the beach. Your team destroys the coastal defenses to the west. I neutralize the defenses here and proceed inland to rendezvous with Blue Viper at the safe house in town. As quietly as possible. I don't want to come back to the beach and find the place crawling with Germans. If they spot the sub before you blow those guns, me and my team will be stuck here. I can do quiet. C'est pas vraiment la mienne, hein, d'être discret, quand même, de spécialité, mais bon. On va essayer. Alors, le jeu se passe en France cette fois. Donc, c'est plutôt cool. Après, c'est pas ma spécialité d'être discret et pourtant j'aime bien les snipers élites. All right, that's our cue. Okay, Fairburn. There are the searchlights. Show me what you can do. Ah, on va se taper un tuto. Oui, mais on a toujours ces ralentis, voilà, avec les balles qui partent. Est-ce que lui, il va la prendre en plus? Oui, ouais, toujours avec les rayons X et tout. Comme ça, on voit les dégâts. Oh, la sensibilité est un petit peu forte, je trouve. On retient son souffle, on vise, on tire. Boum! Vous voyez en direct en gros les dégâts que ça fait sur le corps. Alors, si vous venez d'entendre une voix derrière, ce n'est pas moi. Vous voyez en haut, il y a une sorte de. Il fait une sorte de courbe et ça en gros, c'est quand il y a du bruit. En gros, quand il y a du bruit, vous pouvez tirer sans vous faire repérer. C'est des choses à prendre en compte aussi. Vous avez dû entendre une voix à un moment, parce que j'ai mon petit dans la pièce d'à côté. On lui a dit qu'il fallait pas m'appeler. Mais bon. On connaît les enfants, hein. Ok. On va avancer tranquillement. Par contre, est-ce qu'on peut. Il y a un mode photo, c'est pas mal. Il y a des jeux des fois où il n'y en a pas et je trouve que c'est un peu. C'est quoi, option de la partie, commande, sensibilité. Est-ce qu'on peut descendre juste un tout petit peu ça? Parce que c'est. On peut ouvrir la carte, ok. Avec les objectifs, c'est pas mal, hein. Il y a des petits effets, regardez la flotte et tout. Après, on est sur un jeu cross-gen, hein. Donc, par contre, on a la chance du coup d'être en 4K natif et en 60 images secondes. J'ai pas regardé s'il y avait, on va regarder ça maintenant, s'il y avait visuellement des trucs
n'y a pas de mode, genre pour dire bon bah je préfère être en 1080p et puis faire ça ou ça. C'est 4K 60 images secondes. Mais du coup, il faudra que je règle la sensibilité et tout ça. Hop, on va se cacher dans les herbes, important. On va le fouiller. Ensuite, ah, on peut même le piéger, vous voyez, mettre une grenade sur le corps. Ce qui est plutôt... j'allais dire ce qui est plutôt fun, ça fait un peu psychopathe de dire ça, mais bon. Comment on change d'arme ? Après, on a toujours le rythme cardiaque à gérer. Y a personne là-haut ? Voilà, je sens dans les vibrations, je sens le rythme cardiaque. Mais dès que vous courez ou dès que vous faites quelque chose, après, ça devient plus difficile en fait de viser tout ça parce qu'il faut reprendre votre souffle. J'ai entendu une voix, ah ouais, là-bas. Il est où ce con? C'est pas mal qu'il revienne par là. On puisse lui en coller une bonne. On a les jumelles après. Ouf. J'ai eu chaud, j'ai même pas pris le temps de viser correctement. J'ai eu chaud, franchement. J'aurais pas dû faire ça. Ah oui, là-bas. On va lui mettre pleine tête. Allez, monsieur le général. C'est dégueulasse en vrai. On est sur un tuto hein, aussi. Quand il n'y a pas une touche pour changer d'arme rapidement. On a la clé, du coup on peut ouvrir. Objectif terminé. Sécuriser la plage. Oui, il y a de la voiture là-bas.
Quand je vous dis que je suis moyennement discret. Et on va le terminer. Hein. Hop, finitos. Est-ce qu'on peut escalader par là? Hop, on va lui jeter des couilles. Il y a quelqu'un en bas qui m'a vu. Allez, boum. Celle-là, tu vas la sentir passer, mon pote. Sélectionner le sifflement. Ah oui, c'est ça peut-être. On va aller fouiller l'usine. Charlie? Thanks. I just needed a distraction. Yeah, the weather in Ostend is better this time of year. But France has better food. You're my contact. You're the desert ghost. I should have known. Good to see you, Blue Viper. Yeah, Leo chose that codename, not me. But they found us anyway, in spite of all the codes. Betrayed? Maybe. I think so. I can't be sure. They tried to make us talk, and when we wouldn't, my God, they killed the whole town, everyone. All thanks to a bastard named Moller. They split us up. Some of my men might still be alive. Somewhere in this place. We have to... I'll find them. You're in no shape to fight. Where can we meet? All right, you win. The safe house is blown. There's a farmhouse just north of the town. I'll find it. One more thing. One of my men, Marcel, he hid information in a loose panel under his bed. The key for it was sewn into the hem of his trousers. They may not have found him yet. Look for the house with the yellow brickwork. Ugliest thing in the village. You can't miss it. Got it. It is good to see you again. You too, old friend. Hey. Après, je vous ai pas montré, mais il y a aussi moyen de changer son équipement, etc. Mais ça, c'est des choses à gagner petit à petit, hein, vous voyez. On a des points de compétence aussi. Donc, on a équipement, combat et corps. Vos points de compétence, voilà, acheter et tout, etc. Dans corps, qu'est-ce qu'on a? Concentration. Ok. Après, on peut le cardio. Récupération. Mais d'abord, il faut utiliser ici. Ici, vous avez récupération de munitions, etc. Et ici, vous avez les trousses de secours quand vous êtes blessé, etc. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va mettre ça. Parce qu'après, j'aimerais bien mettre celui-là. Donc, on va mettre ça d'abord. Qu'est-ce qu'on fait ?
On va continuer un petit peu parce qu'on est à combien? Ouais, 17 minutes. Allez, on continue encore 5 minutes, je pense. On a juste là. Boum, boum, j'ai failli me faire avoir. C'est des choses, hein. Plus de place, ok. Et donc là, voilà, on peut personnaliser et changer les armes. Voilà, donc là, ce qu'on peut faire, vous pouvez personnaliser vos armes, voilà, d'autant d'accessoires, lesquels changent sa puissance et ses capacités. Vous voyez, on peut changer la mire. Le canon, etc. Visiblement, ici, donc là, on peut soit améliorer la puissance, soit améliorer le contrôle. Après, c'est, je pense, mieux de faire ça avec un sniper. Bouche. On va faire ça aussi. Là, c'est des pièces que j'ai récupérées, je ne sais pas comment. Après le contrôle, on est au maximum. Si on peut améliorer un petit peu la cadence de tir, ce serait pas mal. Et en fait, voilà, faut. Puis après, vous pouvez aussi changer la couleur, etc. Et après, c'est à vous de. C'est à vous de voir comment vous voulez. Comment vous voulez régler un petit peu tout, comment vous voulez vous. Utiliser votre arme, etc. Moi j'aime bien quand même avoir un certain contrôle, une certaine précision avec un sniper, c'est quand même le principal. Radar tower is still operational. There's the radar. Looks like the air raid didn't take it out. I'll have to do this the old-fashioned way. Il a bougé ce con. Celui-là, on va lui mettre en pleine tête. Et boum, en plein dans le front. Toc, vous voyez le rythme cardiaque, comment il a monté. Fin de l'alerte, bah ouais.
Il n'y a plus personne. On va faire attention, hein. Une voiture qui tourne. Voilà. Vous voyez, petit à petit, vous avez vos objectifs qui se rajoutent, puisque là, on vous dit qu'il y a des tranchées avec des charges explosives. Autour du radar. Voilà, là, il y a zéro discrétion, c'est vrai. On va bientôt s'arrêter. Hein. Aïe, excusez-moi, je me suis cogné dans le bureau. On va faire attention. On va aller voir par là. Parce qu'il y a ce petit logo là. Sur la carte, j'aimerais bien. Merde. Bon, ça y est, c'est la guerre. Bon, bah voilà, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'avais pas vu le mec. C'est pas grave. On va s'arrêter sur un échec. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.